Ah, la base de Rho. Alors, ça commence mal. Du coup, en fait, je vous explique. Cette nuit, je me suis reconnecté. J'ai pu trouver la carte de toute cette partie nord, ce qui va me faciliter l'exploration. Le souci, c'est qu'il manque cette partie de la carte. Et là, je sens qu'il y a des trucs que j'ai pas visités. Alors, ça se voit là, il y a des trucs. Je suis sûr qu'il y a des boss. Je suis sûr à 100% qu'il y a des trucs ici. Mais. Attendez, je suis perdu. Ah oui, c'est là. Là, du coup, j'ai pu prendre cette carte-là. Donc, on va continuer dans ce secteur pour le moment. Merde. Ah, je suis mort là-bas. Ah.
Talisman du bouclier perlé. D'accord. Donc maintenant. Ah putain, il m'a vu. Ah non, mais les mobs dans le DLC, ils sont horribles. M'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Toi, tu m'as vu, mais tu me toucheras point. Oh, si, tu vas me toucher. Oh putain, il a failli. Il a failli me toucher. Ah putain de merde! Pardon. Il m'a fait peur. Oh non, j'aime pas ces bestioles. J'aime. Peut-être des trucs cool là à récupérer. Un site de grâce. Ouais, je sais quoi ça? Ouais. Bon. J'ai l'impression qu'ils ont mis un espace pour qu'ils mettent autant un espace comme ça où il n'y a aucun mob, il n'y a rien, il y a forcément quelque chose à récupérer. Genre là, il y a forcément un truc là. Un ours. Oh oui, un ours, c'est bien. Ah, 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 ah. Ah, ça je reconnais ça. C'était obligé. Je me délègue de ta peur. Ah bah, t'es bien sympa toi.
Une catacombe. Qu'est-ce qu'on aime les catacombes? Non mais là il y a forcément quelque chose aussi. Pour qu'il y ait une large zone là comme ça, il y a forcément un boss. Oh non. Toi je t'aime pas. Je t'aime pas. Je t'aime pas. C'est louche cette affaire là. Les gars, pas moi. Wesh, c'est quoi ça? Ah ok, je viens de comprendre. Ah, c'est Lulu enfin c'est Lulu quand elle regarde Lulu. Ah, j'en étais sûr. Pas à moi, pas à moi. Ah, et en plus il fait du feu. Ah merde, merde. C'est un peu con là ce que j'ai fait. Vous voyez, ça c'est le pire mob dans le DLC, ça c'est le pire qu'il faut absolument éviter. Oh, c'est louche cette histoire. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Ok, on sait que ce couloir-là, ça sert à rien si on meurt. Ça sert à rien quoi.
forcément. Ah merde. C'est pas l'endormissement qui m'a mis, j'ai l'impression c'est du mal mort. Oui, c'est bien de la mal mort, c'est pas de l'endormissement. Oula! Oulalalala! Oulalalalala! Je peux le tuer. Ah non. Et merde. Ah putain! Oh merde. Oh la peur! Oh quand je l'ai vu en plus c'était pas un petit hein, celui-là. Hein. Non mais... Non mais... Ah putain...
Non mais... Et ça devient rude là. Ça devient rude. Tu vois, je sens que le boss il va être horrible. J'ai plus de popo! Oh putain, c'est un chevalier de la mort. Wesh, frère. Non mais... Laisse-moi le temps au moins de faire spawn mes mobs. Et merde. Allez, l'invocation, à ce qui paraît, vous êtes les meilleurs du DLC. Donc prouvez-moi que vous êtes les meilleurs du DLC là. Et merde. Merde, 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 merde. Il a récupéré la vie. Non mais... Excusez-moi, monsieur le dégât de zone, hein.
Non! Non, j'y étais presque! Oui, bah logique. Il est imprévisible, c'est horrible. Oh yes! Attendez quoi? Attendez. Quoi? C'est trop génial!
Ah oui, d'accord, c'est bon, je me souviens. Donc, à ce qui paraît, il faut que j'aille par là. Non mais il va pas. Stop par contre hein. Plus joli éclairé. Il m'a pas vu. Alors comment il m'a pas vu, je ne sais pas, mais je veux pas savoir.
Est-ce que c'est bien là que je devais aller au moins? C'est chaud là, ce que je dois faire après.
Ouais, non, mais. Souhaitez-moi bonne chance pour ça, là, c'est pas possible. Ah, il y a une effigie de Marika. Ça, c'est bien ça, du coup. Et merde. Putain. Wesh.
Ah mais il y a un boss. Il y a un boss. Forcément. Ok. Eh ben.
J'accumule du saignement. Oh. Génial cet arbre. Il est génial. Ah ouais, d'accord. Stylé de fou leur membre.
quoi? Ah. Monseigneur. Monseigneur, j'arrive. Meute probable. Ennemi fort droit devant. Message droit devant. Danger en vue. Chien droit devant. Chaos droit devant. Oula, pour que la démence s'active, c'est que j'ai dû croiser quelque chose. Ah, c'est une arme.
Enfin, je peux rien leur faire. Mais oui! Oui, Red Knight! Bon. Je retente. La zone est déjà très très classe. Ça me fait penser un peu à The Lord of the Fallen. Par contre, cette arme elle est géniale. Cette arme, elle est géniale de fou. Mais cette arme aussi est trop génial. Bon, maintenant, je suppose qu'il faut que j'aille là-bas. Ok, bon. L'avatar de l'arbre occulte, le oh, franchement, il est chiant.
Il est ultra chiant, hein, le tournesol. Il est bien, mais il est chiant de fou. Bien sûr. Alors, le tournesol, il est là, là. Il est là, ici. Et pour y aller, il faut que tu... Que dans le quartier religieux, l'eau, ici, soit descendue. Tu vas là, là, à la chapelle engloutie, donc qui est vidée. Tu vas là. T'as un ascenseur, il me semble, ici. Et après... Et après, t'as un... T'as... Non, t'as deux couloirs ici. T'en as un des deux ici. Et je crois que quand tu le prends, il t'emmène là, là. Il va t'emmener à... au sanctuaire de l'arbre vénéré. Et là, tu vas voir le boss, là, du coup, de l'arbre occulte. Qui va te donner la rune de Mikaela. Voilà. Mais ce qui paraît, j'ai regardé sur YouTube, la rune est pas ouf. J'adore l'ambiance. L'ambiance est incroyable. Monseigneur. Il est l'heure de se réveiller. Monseigneur. Non, c'est pas ça, c'est Monseigneur. C'est l'heure de se réveiller. Oula. Avant que vous n'avanciez, je dois vous attirer, retenez bien les paroles de notre illustre maître Midra. N'approchez pas la démence sans quoi vous succomberez. Il sert à quoi le fruit? Ça sert à quoi le fruit enflé là que je viens de prendre?
Je l'ai touché, mais une fois seulement, quand il a voulu me frapper au visage avec son bâton, j'ai dévié le coup. C'est à ce moment que j'ai effleuré l'intouchable. C'est l'heure, monseigneur, c'est l'heure de se réveiller, monseigneur. Seigneur, c'est hors de série. Monseigneur, c'est l'heure de se réveiller. Monseigneur.
Mon seigneur, il est lent. Seigneur, il est là. Seigneur, il est là. Seigneur, il est là. Torche de Nayaya. Oh, c'est génial. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial avec cet item là, la torche de Nayaya? Torche de
Torche de Nayaya. Alors, torche de Nayaya. Coucou Zeno. D'accord, non, c'est juste une arme. Bon. Mais calme-toi! Monseigneur, il est là. Monseigneur, il est là. J'ai bien trop souffert. Je t'en prie, pardonne-moi, ma chère Nayaya. Non, faut pas censurer, faut montrer. From Software là, faut montrer là, on veut pas du censurer nous, on veut voir. Alors monsieur, vous êtes un peu à poil. Oui, monseigneur! Monseigneur! Moi qui ai fait votre faim. J'adore ça. Oui. J'adore. J'adore Dior. Allez, je suis chaud là. Ah. Oui, alors, monsieur, s'il vous plaît. Merde, mais pourquoi j'ai pas esquivé? Bon.
P2. P2. J'ai tenté de faire quelque chose à la place, j'ai tenté de faire quelque chose. Mais comment j'évite? Ah, faut que je m'éloigne. Voilà, ça me connaît. Ah, c'est lui qui me disait du coup de pas approcher. Ouais, d'accord, ok, je comprends mieux. Let's go. J'ai quelqu'un qui est mort.
Et t'étais à quelle partie, Remnite? T'étais en P1 ou P2? Ah bah je dis rien hein. Tu vas voir, il est génial. Alors qu'est-ce que tu me donnes de beau? Tu me donnes un espadon. Oh. On va aller à mon petit terrain d'entraînement. Ah ouais? Je vais aller voir ça. Ouais. C'est sympa, c'est sympa. Bon, et pour terminer le live. Pour terminer le live.
On va aller brûler cet arbre. En fait, c'est un peu comme, comme ce qu'on fait dans le jeu. On brûle avec les flammes des géants pour brûler l'arbre monde. Et là, c'est pareil. Stylé. Bon, eh bien, on va s'arrêter là, du coup. On découvrira le... Oui, du coup, on va s'arrêter là. C'était pour nous dire, bon, bah voilà, Seifa, fallait arrêter. T'as fait une belle rune. Enfin, une belle run. Faut que tu t'arrêtes. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, on reprendra le reste, donc, la prochaine fois. Sur ce, à plus dans le bus.